Ensemble, maintenant, nous allons dire bien sûr la prière du Seigneur et j'invite les enfants qui font leur première communion donc à s'avancer autour de l'autel pour cette prière du Notre Père. Et puis, je vous invite tous, parents, amis, faire un geste que vont faire ces enfants. Nous allons nous donner la main, savoir nous accueillir les uns des autres malgré nos différences. N'ayons pas peur. Quand on célèbre l'Eucharistie, c'est la grande famille des baptisés, des chrétiens qui se rassemblent. Je vous invite à vous donner la main. Sachons nous accueillir. Et ensemble, avec tout ce que nous portons dans notre cœur, nous pouvons dire et chanter. Thank you.
des GMJ à Rio de mettre le bazar dans l'église. Mais c'est un bazar qui est plein d'amour, ce moment du geste de la paix. Maintenant, les enfants, nous allons vivre ce moment de votre première communion qui est tellement important. Et c'est le moment où vous pouvez appeler Jésus dans votre cœur, où vous allez le recevoir dans quelques instants à travers l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Point de communion devant l'autel et un point de communion, alors deux points de communion devant l'autel. Vous allez suivre le mouvement. Il y aura trois points de communion devant l'autel et deux points de communion au milieu de l'allée centrale. Et je tiens à rappeler une chose importante. Avec le bon Dieu, on est toujours libre. On peut dire oui ou on peut dire non. Mais si je viens pour recevoir l'Eucharistie, je le fais avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour. Peut-être que je ne comprends pas tout. Peut-être des choses me dépassent. Mais si je viens avec amour. Et à ce moment-là, le Seigneur peut venir nous rejoindre. Alors peut-être parmi vous, il y a des enfants adultes qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion. Vous pouvez aussi vous avancer en mettant les mains sur vos épaules pour recevoir la bénédiction du Christ, la bénédiction de l'Église.